métalliques, deux voies de 7,35 mètres de chaussées roulables avec deux trottoirs de 50 cm chacun, soit une longueur totale pour les travées de 103,63 mètres linéaires. La mise en place d'une fondation profonde reposant sur 8 pieux qui seront battus dans la terre jusqu'à une profondeur d'environ 20 mètres au moins. La mise en place de murs en aile pour garder le remblai au niveau des culées. La mise en place de digues en matériaux sélectionnés sur 150 mètres côté Cocotomain et 210 mètres côté Romain. L'aménagement de voies d'accès en pavé d'une longueur de près de 6 km environ. Toutes ces réalisations pour les populations de Womés et environnantes sont la bienvenue selon le premier agent au maire de la ville d'Abomey-Calavi. Monsieur le Président, après Kaka, Koudoua Zo, Manon Koudoloué, Olon Yovalaini. Monsieur le Président, fini les braquages, fini les noyades, fini les morts à la traversée du chef de la rue. En réalité, la réalisation de ce pont est l'une des décisions prises par le commissaire européen au développement, André Sepibax, lors de sa visite à Cotonou et vient confirmer les nombreuses réalisations antérieures de l'Union européenne dans la commune d'Abomey-Calavi en particulier et au Bénin en général. Vous le voyez, Monsieur le Président, l'Union européenne ne manque pas de contribuer au développement de la grande agglomération qui nous accueille aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je puis vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour traduire cet accord de principe en une réalité sur le terrain. Nous vous remercions pour votre accueil chaleureux et formulons tous nos vœux pour que cette entreprise soit une réussite. Avant de s'adresser à la population, le président de la République a fait observer une minute de silence en mémoire de tous ceux et surtout des enfants qui ont perdu leur vie en traversant cette lagune de Djonoa-Womé. Toute la gratitude du peuple béninois est à l'honneur de l'Union européenne, a-t-il dit, car c'est toute la région ouest-africaine qui s'en réjouit de par ses avantages économiques, sociaux, culturels. Monsieur le maire, Womé n'est plus n'importe quelle localité. Womé représente une bonne partie de la population de la commune d'Abomey-Calavi. Womé est au cœur d'Abomey-Calavi. Abomey-Calavi est au cœur de notre nation, mes chers parents. C'est pourquoi nous partageons cette joie, je dis bien cette joie, d'avoir des amis à côté pour nous aider à régler cette question. Nous allons poursuivre l'assainissement pour accéder au pont. Et le pont sera bien fait. Et après le pont, nous allons assainir la voie jusqu'à la pharmacie qui tombe sur la voie qui mène à Ouida et à Lomé. Merci à l'Union européenne. Merci à la BOAD. Encore une fois, que Dieu bénisse notre partenariat UE-ACP. Que Dieu bénisse notre partenariat BOAD-ACP Bénin. Je sais, Womé est amour. Et merci pour cet accueil. À bientôt. À bientôt donc pour le démarrage effectif des travaux de construction de ce pont de Womé pour le bonheur.